Nous avons tous des manières différentes de travailler à l'école. Un A, moi? Autant directement me mettre un bon gros F! Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Sérieusement? Travailler pendant une heure a fini par payer. Chérie, on peut dire que tu es intelligente maintenant? Quel type d'élève es-tu? Oh mon Dieu, la soirée de demain va être mémorable! On dirait que l'amusement est fini. Est-ce que la chimie pourrait être encore plus ennuyeuse que ça? Je sais comment ajouter un peu d'action. Ça ne dérangera pas Nina. Oh, monsieur! Qu'est-ce qu'elle fait? Je vous ai pris un café bien chaud. C'était mon latte. C'est moi qui l'ai acheté. À la vanille, mon goût préféré. Bon, où est ma brosse? C'est le moment de faire la lèche-botte. C'est un vrai plaisir de vous aider, monsieur. Elle est folle? C'est ce que j'appelle un élève à 20 sur 20. Qu'est-ce que tu fais là-dessous? Est-ce que c'est assez confortable pour vous? Mais tu y crois? On ferait mieux de commencer maintenant. Tu es fière de toi? J'essaie juste d'avoir un 20, d'accord? Quelqu'un voudrait répondre à la première question? Personne? Pourquoi pas toi, Nina? Oh, c'est le pire jour de ma vie! Oh! Bouh! Waouh! À qui est ce garde du corps? C'est nous qu'elle regarde? Attention, une détection de métal va commencer! Faites attention, les filles! Vous n'avez pas d'armes sur vous, si? Vous non plus, jeune fille! Bien! Tous les signaux sont au vert, vous pouvez entrer. Allez-y, madame! Mais pour qui se prend cette fille? Oh, c'est Nina! N'importe quelle excuse est bonne pour se faire remarquer. Est-ce que cette salle est trop froide pour toi, Fido? Oh, qu'est-ce que vous regardez? Ce bureau n'est tout simplement pas acceptable. C'est pour ça qu'on a apporté quelque chose d'un peu plus confortable. J'aurais juste aimé qu'il soit un peu plus léger. Pfiou, c'est beaucoup mieux, merci. Ce fauteuil est incroyable. Est-ce que je vois bien ce que je vois? Bon, on apprend des trucs ou quoi? Allô, madame? Pardon? Je serai juste là si vous avez besoin de moi, madame. Tu aimes l'école, pas vrai? Yes! J'ai cru que la pause n'arriverait jamais. Mais en tout cas, j'ai super faim. Oh oui! Tu as besoin de quelque chose, Brian? Ce serait super sympa de m'en passer un petit bout. D'accord. Tu es la meilleure. Ma pauvre main! Attends. C'était bien plus qu'une bouchée. Désolée. Je dois faire passer ça. Hein? Juste une gorgée. Merci. Une gorgée. Brian? Merci. Tu as tout bu? On accorde beaucoup trop d'importance au partage. Alors que les pique-assiettes, comme Brian, n'ont en fait jamais vraiment besoin de taxer les autres. Tu avais ça depuis le début? Alors pourquoi est-ce que tu as mangé tout notre goûter? C'est ridicule. Être assis en classe peut générer du stress. Mais rien de mieux que mordiller son crayon pour se sentir mieux. Ah, ça fait du bien. C'est mieux que de mâcher un chewing-gum. Fais attention, Sophia. Oh oh. Je crois que je me suis un peu laissée emporter. Oh non, j'ai peut-être un autre crayon par là. Nina, je peux t'emprunter ça? Tiens. Oh oui, voilà de quoi je parle.
Tu n'apprends jamais de tes erreurs, Sophia. Regarde toutes les saletés que tu répands. On dirait un pivert humain. Et ça ne doit pas être bon pour les dents. Ce truc diminue de volume à vue d'œil. Oupsie! Nina? Je peux juste en avoir un autre? D'accord! Je n'ai presque plus de crayons. Non! Elle s'est transformée en castor ou quoi? Burk! On dirait que rien ne résiste à ses dents. Ah! C'est un monstre! Nina a dormi comme une pierre, pas vrai? Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et qui est-ce que ça attriste? J'allais presque oublier. Je dois retrouver mon équipe. En route pour une belle journée. Je dois juste faire un petit arrêt par mon casier. 10e jour d'affilée avec des beaux cheveux. J'adore ce rythme. Qui pourrait résister à une belle sonnerie comme ça? Allez les filles, allez! Oh, je me laisse toujours emporter par un peu de danse spontanée. Maintenant, retour aux choses sérieuses. Cette table me paraît bien. C'est la cloche qui sonne? Prête? Ok! C'est parti! Dis donc, on ne s'ennuie jamais avec ces deux-là. Wouhou! Oh mon Dieu! Je suis tellement fatiguée! J'en ai déjà pris un. Certains gèrent les lundis mieux que d'autres. Et Nina fait partie des autres. Oups! Ah, peu importe. Je peux me souvenir de tout ça, non? Si on mélange du soufre avec quoi? Et on l'a perdu. Hé! Réveille-toi, Nina! Oh, j'ai cru que c'était un cauchemar. Nina, à toi de passer au tableau. Oh non, pas moi! Allez! Je ne peux pas. Je t'ai dit d'y aller! Oh! C'était quoi déjà la question? Quelque chose à propos de soufre? Oh! Elle dort ou quoi? Hé, hey, Nina! Je reviens tout de suite. Et maintenant, elle bave. Ouvre tes yeux, ma belle! Réveille-toi! Cet oreiller est nul! Les réveils fonctionnent toujours, non? Non? On doit essayer autre chose. Hé! Hey, attrape! Hein? Reviens t'asseoir, vite! Oh! Merci de m'avoir réveillée. Attends, le cours est déjà fini? Je crois que je vais faire un petit somme. Réveillez-moi quand on sera en été, ok? Tu t'es reconnue dans l'un de ces types d'élèves? Que tu sois le chouchou du professeur ou un mâcheur de crayons, tu es forcément d'accord pour dire que l'école, ça peut être nul. Partage cette vidéo avec tes camarades de classe préférés pour les faire rire. Tu as déjà vu celle-là? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos désopilantes.